Et à propos de climat, dossier politique, toujours avec l'un des négociateurs de l'Orange Bleue. Les Juifs d'Anvers n'acceptent pas les excuses du président de la NVA, Bardo Wever. La semaine dernière, Bardo Wever avait critiqué les excuses que le bourgmestre d'Anvers avait adressées aux Juifs pour les déportations subies pendant la guerre. Pourquoi la communauté juive n'accepte-t-elle pas finalement ces excuses? Explication de Christophe de Borsu. Il y a 10 jours, le bourgmestre socialiste d'Anvers s'excuse. Il s'excuse pour le rôle actif que sa ville a joué dans la persécution des Juifs pendant la guerre. Bardo Wever, président de la NVA, critique ces excuses qu'il estime gratuites. Dans la foulée, il attaque la communauté juive et déclare « La communauté juive et Israël utilisent la Shoah à leur profit. Israël emploie dans les territoires occupés des techniques qui évoquent un passé obscur au lieu d'en tirer des leçons. » Le tollé est général. Mardi dernier, Bardo Wever s'excuse donc devant la communauté juive et de très nombreuses caméras. Le problème, dit aujourd'hui cette même communauté juive, c'est que M. de Wever s'était engagé devant elle à confirmer ses excuses dans la presse. Un texte où il corrigerait ses propos sur l'utilisation de la Shoah et sur les méthodes d'Israël. Nous attendions de M. de Wever qu'il remette les choses au point le jour suivant. Malheureusement, nous avons lu le journal le jour suivant et nous n'avons pas vu cette rectification. Conséquence, les Juifs anversois n'acceptent pas les excuses de Bardo Wever. Écoutez, M. Bardo Wever est un politicien et c'est un professeur d'histoire. Si lui est en train de réécrire l'histoire, je ne peux pas l'accepter. M. de Wever ne nous a pas accordé d'interview. Pour moi, cette affaire est close, a-t-il dit. Une affaire qui ne devrait pas trop le fragiliser en Flandre, car 61% des lecteurs du journal De Standard estiment acceptables les propos du président de la NVA. Le nord du pays n'en a pas fini avec ses vieux démons.